Bonjour à tous et à toutes, ici on va se retrouver en live pour la deuxième partie. Donc ici on va se retrouver avec le spectre. Parce que j'ai deux défis à faire avec, enfin deux rituels à faire avec. Et donc on va se retrouver là-dessus. Pom, pom, pom. Alors le spectre, j'ai pas grand-chose, j'ai que le boucher sa deck. Oh non, c'est pas forcément Illuminati parce que j'ai eu un problème pendant la pause, j'ai eu des gens qui sont venus insulter tout le bazar, ce que j'ai dû bannir. Peut-être plutôt murmure. Mais je vais pouvoir l'augmenter un petit peu. J'ai même pas pris la compétence ici. Hop. Assidu, je ne l'ai pas sur ce personnage-là. Je l'ai que, bah, que sur mon trappeur. Il n'y a que le trappeur que j'ai monté. Mais je vais peut-être monter un peu le spectre. Donc voilà. Alors en offrande. C'est vraiment pauvre, sérieux. Allez, son nasserie. Ah, ça peut être sympa ça. Voilà. Hop, et on est parti. Assidu, je l'ai sur mon trappeur. J'ai déjà essayé, mais le problème c'est qu'Assidu, il faut camper. Et moi, j'aime pas trop camper. Je préfère mettre un piège et aller plus loin. Ah, sérieux, un rang 1. Ouais, il a une sale tête. Franchement, serait bien que le rang 1 se casse. Maintenant, il va rester, bien sûr. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je joue pas tueur, je suis quelqu'un qui joue masse survivant. D'ailleurs, vous avez vu les niveaux de mes survivants et le niveau de mes tueurs. Hein, bon. Très obscur, cool. Je vais voir, on va être dans la nuit. Alors, boum. On va voir ça. Je dois sacrifier 4 personnes et je dois surprendre 15 personnes avec ma cloche. Pouah. Ah, j'ai oublié de remettre la cam, c'est juste. Hop, hop. Voilà. Sur le spectre, j'ai que dalle, j'ai murmure, j'ai boucher sadique, j'ai prédateur, et je sais plus comment elle s'appelle la dernière. Non, le spectre, franchement, il est vraiment bon, mais il faut savoir le jouer. Et perso, je sais pas le jouer donc. Avec le pied ensanglanté. Alors on suit les traces. Oh, il y en a une qui permet d'avoir des traces plus longues de 1 seconde. Il y en a une qui permet de voir les traces 1 seconde de plus. Une qui permet de voir ça des survivants dans un rayon de 40 mètres. Qui s'est barré par là.
Allez, c'est bon, je l'avais quoi. Ah, vous me saoulez avec vos barricades là? Allez, c'est bon quoi, là c'est exagéré. Un rayon de 6 mètres, c'est court hein, quand même. Si je suis une dope pour... Ils vont faire la technique où ils vont enclencher les 5 générateurs d'un coup, je le sens bien. Voilà, bonne nouvelle, c'est qu'il y a quasiment plus de barricades sur la map. Allez, abuse quoi. Ouais, mais là je suis parti pour faire le spectre donc. Vu que je vise à faire les défis, que j'ai du spectre, j'en ai deux à faire. Ah, tu peux être sûr que c'est une pré-med. Hein. C'est des gens qui se connaissent à ça. Mais j'étais pas dessus, putain! Putain, je suis à 3 mètres de la barricade, quoi! Putain, les Windows Jump, je supporte plus! Le bug a été remis.
Allez! Putain, je vois que dalle, il fait trop noir, quoi. Ouais, bah, Dead by Daylight, c'est vraiment un bon jeu, donc oui, je peux conseiller de l'acheter. Ils vont allumer tous les générateurs d'un coup, ça va être beau ça. Là, je suis à l'autre bout de la map. Je vais pas réussir à choper un seul, vous allez voir. Je vois que dalle, il fait trop noir. Se dites-vous que moi je vois beaucoup plus sombre que vous. Hein. Ça m'étonnerait. Comme je dis, c'est une pré-med. Hein. Ces pré-med, c'est des gens qui se connaissent. Bah je joue jamais, j'ai peut-être joué 3 allez, 4 fois à tout casser. Génial, ça bug. C'est quoi ce délire? Je suis bugué. Le mec a du déco à mon avis. Bah j'en ai chopé un mais bon voilà. Non, je peux plus bouger, je peux plus bouger, je peux pas le poser, je peux rien faire. Génial. Les bugs de ce jeu, sérieux. Je vais quitter ça, arrête. Je suis bugué, je sais pas pourquoi. En plus, j'avais mes 10 000, c'est ça qui me saoule. J'avais mes 10 000, donc j'étais sûr d'avoir mon rang. Ah, si Dieu, tu me dis. C'est 4 secondes, ça. Ouais. Mais si Dieu. Y'a rien à faire, j'aime pas si Dieu. Est-ce que sur Twitch ça fonctionne? Parce qu'on me dit que ça, sur Twitch il y a des écrans noirs.
À mon avis, il a du déco ou quoi. Ouais, bah les gens, c'est pas un live pour Gilbert Montagnier. Payez-vous des lunettes. Le live sur Twitch, il marche très bien. Si tu t'éloignes de l'écran. Si t'éloignes l'écran, tu as plus. Ouais, mais t'es moins en immersion. Salut Nico, tiens, t'es encore en vie? Et quoi, vous êtes toujours sur LOL? Ou t'as été avec Cédric sur les Pokémon, etc. Passe le bonjour à Laura en passant. Enfin, c'était toujours avec. Putain, j'ai plus de nouvelles. Alors, le Tlapper. J'ai pris une pierre aiguisée histoire de le foutre directement en état critique. Mais par contre, j'ai pas le piège du. Enfin, le sac du piégeur. Donc, du coup, je ne peux pas. Ah, ok. Bon, ouais, bah, coucou. Oh, avec le trappeur, ouais, c'est faisable. Parce que j'ai les trucs qu'il faut. Enfin, maintenant, j'ai pas le. J'ai pas les paires que je voudrais, puisqu'on m'a demandé de prendre Assidieux et que je suis pas un joueur d'Assidieux, parce que c'est vraiment une manière différente de jouer. Mais bon. Alors, il y avait un joueur pas loin d'ici. Salut Hamza. Hamza, Konda? Ou c'est encore un autre? Je t'ai vu. Aujourd'hui le trappeur, aujourd'hui le tueur c'est vraiment pas ça. D'habitude ça passe encore, mais là, nada. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive à que dalle avec les tueurs. Recoque. Bah, Assidu, c'est vraiment pas mon type de gameplay en fait. J'ai déjà fait deux générateurs. Et tout, c'est que ça demande beaucoup plus de concentration de jouer tueur. Et vu la fatigue que j'ai. Ça arrête, il le désactive direct. J'arrive à rien, je vois même pas un seul quoi, c'est exagéré. Eh ben j'avais entendu du bruit. Hop. Toi ma grosse, tu vas finir à la cave. Bien au fond du trou.
Ah mais je suis pas absent, hein. Je suis là, même quand je suis en pause, je suis devant le live. Putain, c'est juste derrière. Putain, il reste un générateur à faire. Pourquoi je crois qu'ils vont aller vers la cave? Quel générateur est-ce qu'ils vont faire? Celui-là ou celui-là? Po 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 po. Ah, y a pas de souci. Bon, elle est morte. Même pas. Chut. Mais genre, mais va te faire foutre avec ton stun à 2 balles là. Putain, je suis à 3 mètres de la planche et elle me stun quoi. Putain, 4 planches au mètre carré, allez, abuse quoi. Justement, tu fumes ta race, toi. Allez hop. Cette fois, tu vas mourir direct. Ça va être le one shot du crochet. Alors, à quel est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont là? À éviter le cheese. Ils doivent pas être très loin. Ouais, ok, APEC. Bah c'est bien, Mister. Tant mieux que ça te plaise, hein, écoute. Ouais, je suis un assidu, là, donc on me voit pas, on m'entend pas. Enfin, on me voit, mais on m'entend pas. Tort que comme des connards. Ils vont aller à l'autre générateur. Le tour, hein. C'est pas possible. Je savais qu'ils allaient faire celui-là. Je l'avais dit, hein. Ils ont déjà ouvert la porte, bah ouais, comme par hasard.
Ah, comme... Allez, c'est bon, je peux même pas la ramasser, quoi, alors qu'elle est à terre. Et en face, ils sont en train d'ouvrir la porte, je le vois dans... d'ici. Ah bah tant mieux, écoute. Bon bah j'en aurais eu un. Mais ça, encore une fois, c'est des gens qui jouent après Med. C'est des gens qui jouent ensemble et que du coup, pour les voir, ça c'est un truc qu'ils auraient jamais dû instaurer, c'est les pré-med parce que ça déséquilibre vraiment trop le tueur, quoi. Franchement, qu'est-ce que tu veux que le tueur y fasse contre des gens qui sont en vocal à 4 contre toi, quoi? Enfin, à 3 ou à 4. Qu'est-ce que tu vas faire là, toi, crevette? Chat qui monte dessus. 7000. Ah, crevette, qu'est-ce que tu fais là? Tu as participé au live aussi? Ah oui, à roue, à roue, à roue. Chasse, brutalité, brutalité, sacrifice. Je vais regarder si j'ai pas un sac du piégeur. Il y en a qui est pas trop loin, peut-être. Non, j'en ai même pas dans l'arbre. Bon, bah après, ce sera. Bon, encore un mec qui a Serban. Décidément, c'est la soirée. Hein. Donc ça fout t'as les gens. TGFX, qu'est-ce que tu fous sur YouTube toi déjà alors si c'est TGFX? Je sais pas, on va trouver un boulot de graphiste. Vraiment des gens ils sont paumés. Pour le moment je vois que vous êtes 9. 9 sur YouTube et 4 sur Twitch. 10 sur YouTube, 5 sur Twitch. Enfin, ça fluctue. Mais ça reste dans ces idées-là. Peut pas avoir une map normale. Non, ça serait trop demandé une map normale. Ah ouais, t'as vu ça, la célébrité? Ah, mais ça augmente petit à petit. Mais je suis déjà monté jusqu'à 30 personnes sur YouTube en même temps, hein. Enfin, hors Web TV, quoi. Ah, si Dieu, je vais ce truc. Je savais qu'il y en a un qui allait se le choper. C'était automatique. Automatique. Oh. Je compatis. Deux tueurs dans le jeu. Ouais, je l'ai relevé pour fumer ma clope. T'es vu à toi.
trappe. Allez, allez, allez. Et le dernier, il rampe. Ma petite limace. Il y a ma petite limace. Ah, ok, lui, je peux pas. Ok. Petit dernier, petit dernier. Où est-ce que t'es, petit dernier? Je devrais l'entendre gémir, hein. En bas à gauche. Allez, le dernier s'est fait choper par mon piège. C'est pas magnifique ça. Va finir dans la cave. Ta 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 ta. Et le petit dernier. Il n'y en a plus qu'un, mais le dernier, je sais pas le ramasser, donc... Je sais même plus où il était. Il était près d'une porte. Et laquelle? C'est celle-là, je crois. Je crois qu'il est bloqué dans le mur, en fait. Ah. Je te marche dessus. Meurs. Crève dans ton sang. Imagine 4 survivants ou plus tard, 2 tueurs. Ouais, mais bon, d'un côté, t'imagines 2 tueurs. Même avec 8 survivants, t'imagines 2 tueurs. Mais à ce moment, il faudrait plus de générateurs. Il faudrait qu'ils en réparent 10, tu vois. Un petit peu améliorer le spectre, hein. En fait, le plus long à monter, c'est les 10 premiers niveaux. Une fois que tu as monté les 10 premiers niveaux avec un personnage, ça va tout seul. Bah oui et non, parce que assidu, tu vois, il y en a qu'un qui s'est pointé. Je sais pas, assidu, je suis vraiment pas fan, franchement. Allez, on va le laisser. Ce qui est rentable, par contre, c'est pas assidu, c'est la pierre aiguisée. Ça, c'est mon truc préféré sur ce jeu. Ça marche tellement bien, ce truc. Et ta critique directe. Un piège et ta critique. Mais je suis désolé, moi, pour moi, déjà, le piège est censé faire un état critique. Je sais pas, tu te prends un piège à un ours, je t'imagine mal courir derrière, quoi, tu vois.
Je sais pas, imagine, tu cours, tu te prends un piège à ours. Tu crois que tu continues à courir derrière? Je sais pas, t'as une jambe en moins, quoi. Oui, non, il est knocker. Il se décroche et il court. En faisant... Oh! Allez, le 13. Valide. Gotei 13. Ah non, Cursed Angel. Ça aurait été fun qu'il s'appelle le Gotei. Pizza Boy, sérieux avec le truc de pizza. Ça, c'est le genre de mec, il a fait un compte juste pour jouer Dwight avec le skin pizza, quoi. Et si Dieu fait que pas. En fait, tu vois, quand on a le tueur qui est près de nous et qu'on entend le bon, 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 qu'il est pas loin. Et ben en fait, si Dieu, si je reste immobile pendant 4 secondes, ben les gens ils entendent plus que je suis dans la zone en fait. C'est comme si j'étais pas là. Ils entendent pas l'avertissement de quoi que je suis à côté d'eux. Mais il faut que je reste immobile. Bah, Billy, c'est pareil, je suis désolé. Un mec qui se prend un coup de tronçonneuse. Enfin, là, c'est logique qu'il se prenne un état critique, quoi, tu vois. Limite, ça devrait même le tuer sur le coup, parce que je sais pas, tu prends un coup de tronçonneuse. Je sais pas si les gens ils ont regardé Massacre à tronçonneuse, mais tous ceux qui se prennent un tronçonneuse dans la gueule, ils meurent instantanément. Hein. À part dans le premier ou à la fin, le mec, Leatherface, il se le tape sur la jambe. Mais bon, c'est sur la jambe, quoi, c'est pas en pleine gueule. Là, ils se le prennent, mais genre en plein dans le cou, quoi. Je sais pas, tu te prends un coup de tronçonneuse dans le cou. Tu te la pètes pas, quoi. Parce que je suis à la fin de film d'horreur donc. Pour ceux qui auront encore un doute. Bon, pour les connards qui vont vouloir passer par là. Non, non, non. Vendredi 13, c'est pas Massacre à tronçonneuse. Vendredi 13, c'est avec Jason. Et encore. Vendredi 13, c'est la mère de Jason, la tueuse. Dans le premier. C'est Jason, il arrive que dans le deuxième. Et c'est à Crystal Lake. Mais qui me dit que Jason c'est Massacre à tronçonneuse, il mérite de mourir. C'est comme si on me disait que Freddy c'était Jason. Non. D'ailleurs, mon film préféré c'est Freddy, donc, enfin, la saga Freddy. Ouais, la machette dans la tête, je suis désolé, tu prends une machette dans la tête, tu meurs, c'est la logique. Ah, c'est absolument dans la même logique. C'est moi, j'en ai vu un qui était au sol. Il était accroupi. Il va me faire une face. T'es, je l'avais même pas vu, j'ai tapé au pif quoi. J'ai vu, je t'ai entendu. Je t'ai vu, t'es derrière la pierre là au fond. Allez, c'est bon quoi, jette ta machette, je sais pas moi. Fais quelque chose. Voilà, tu te prends une balle dans le cœur, t'es juste blessé. Ouais, voilà. C'est totalement la même logique. À mort. Oh.
La quenaille des yeux, le premier, pas le deuxième. Mais en anglais, c'est mieux. Ouais, si Dieu. Ouais, bombe nucléaire, aïe, ça me gratte. Bah je t'ai vu là. Allez, Dwight, viens ici. Ça me saoule les gens qui tournent autour là. Ah bah vous avez voulu aller à la cave? Bah vous allez y aller. Kruger, avec un K et sans O. Bah parce que je joue avec le, parce que je joue assidieux, parce que j'ai le talent assidieux. J'aurais pas assidieux, je camperais pas comme ça. Hein. L'autre, il doit être juste à côté de la trappe, à mon avis. Salut Mathieu. Bon, tu te dépêches de mourir que je puisse aller camper l'autre. Bon, l'autre il a pas l'air d'être là. La trappe a pas l'air d'être ici autour du bâtiment. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ça va, ça va. Ah ok.
Suffit de boucher chaque entrée. Il reste une entrée à boucher, mais mes pièges sont un peu loin. Petit, petit, petit. Où est-ce que t'es, petit dernier? Ah, je t'ai entendu. T'es vu, je te lâcherai pas. C'est pas possible. Ouais, mais les pièges, le problème, c'est qu'ils m'ont saboté pas mal. Allez, prends celui-là. Problème, c'est que s'il me désamorce un piège, il peut s'enfuir par la trappe. Où est-ce que t'es, putain? Oh, l'erreur! Bon, on va pas te mettre dans la cave, hein, parce que c'est juste à côté de la trappe. Là, il reste un crochet que t'as pas fait. Ah, mais toutes les entrées où il y a la trappe sont bouchées, hein. Mais je reste autour, hein. C'est juste que comme il était blessé et qu'apparemment il voulait faire les générateurs, bah du coup, j'ai quand même piégé un minimum les générateurs autour et je cherchais à entendre le bruit de quand il respirait, gémissait, etc. quoi. Personne ne s'est échappé. Je l'ai pas à fond. Alors que j'ai fait un one shot de toute l'équipe. N'importe quoi. Hop, hop, hop. Ah oui, il est passé niveau 7 comme ça, lui. Ah non, je suis pas psychopathe. Ouah. Quelle idée. Moi, un psychopathe? Non. Jamais. M'aurait-on menti à la suite de mon plein gré? La pizza est servie. Cousin, le psuc,
Le psych plutôt. Le psoc. Je t'en fous du psoc, moi. Bon, après celle-ci, on repassera en survivant. On fera la pause et on passera en survivant. Ah voilà, cousin le psychopathe. Épaissit la brume, je suppose que c'est. Ah. Et en plus, il va faire noir. Noir et plus de brume. Ouais. Bon, en fait, la brume, j'ai remarqué, c'est pas pour cacher les survivants, enfin, c'est pour cacher les traces surtout. Mais vu que la brume, elle bouge beaucoup, bof. Et que là, les traces sont aussi sur les arbres et tout. Le deuxième chat qui vient participer. La matchonne. De quoi il a l'air nul? Qu'est-ce qui a l'air nul? C'est dommage qu'on ne veut pas casser anticipativement les planches. Ah, ils sont à 4, ils sont ensemble. C'était ça le secret en fait, ils commençaient tous ensemble. Chez toi mon pote. Bah vendredi 13, c'est surtout que le tueur allait répéter en fait. Ah, viens ici. Viens ici que je te bute. Est-ce qu'on est loin de la cave? On est juste à côté en fait. C'est pas grave, on va le mettre au crochet là puisque t'as assist. Je suis avec un cas difficile moi, et ça passe pas d'un côté, je mets de l'autre. Hein. Bah, je sais pas, nouvelle tueuse, et à chaque fois ils en parlent, puis ils disent que ça va venir, puis que ça vient pas, puis. T'es sérieux là? J'ai voulu faire un plongeon. En tout cas, ils sont plus ensemble. Mais par contre, ils m'ont saboté quasiment tous mes pièges. Bande de sale merde. Ouais, il sort en novembre avec Jason justement.
sûr qu'il n'y a plus de planche ici. Je t'ai vu. Oh, c'est ballot. Je compatis. Attrapez-les tous, survivants. Survivant go. Moi je veux un survivant go, tu vois, tu chopes les gens dans la rue. Tu les accroches à des crochets. Toi comme des vrais gens quoi. Cette fois, on va pas faire le con. Ah, comme ça, on n'a même pas besoin de le placer. Ouais, il éclate aussi un autre contre le mur. Non, les manières de tuer, il y en a pas mal. Ouais, 14 ans avant de sa mère. J'espère que ce sera en français par contre, dans le jeu. Ouais, comme dans les premiers épisodes. C'est sérieux, j'arrive pas à les choper dans cette game. Hein. Une fois, c'est des gens qui jouent après Med, ça. Ah, ils savent directement où les autres y sont, comment les soigner. J'ai pas un seul piège.
sont pas loin. Salut Louis. Ouais, je joue des Après-Med aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais le truc, c'est que même moi, quand je joue Après-Med, je le dis, c'est trop déséquilibré pour le tueur. J'aimerais bien que les survivants se cassent. Que je puisse finir cette game. Ah, je l'ai même pas vu de la game, pas une seule fois. Ah, ils ont saboté tous mes pièges, bande de sale merde. Est-ce qu'ils peuvent se barrer? Suis en train de mourir de chaud. Ah, c'est bien, casse-toi. Se faire rembourser pour acheter le jeu du Tour de France. C'est limite une insulte, ça. Aucune idée, pour moi, je serais de monter le spectre. D'avoir au moins au niveau 15 pour pouvoir faire quelque chose. Parce que là. Voilà. Hop, hop. Donc, pour ceux qui sont sur le live de YouTube, on se retrouve dans 5 petites minutes. Et pour ceux qui sont sur la rediff, bah, rendez-vous dans la troisième partie. En espérant que vous avez kiffé. Y'a plus tout le monde.